ngapet fendang hari ambila batindu vani wabtike kada mandora manchilange angin manet kalaval atyala na pet fendang hari jubale bada havana hazatike kada mandora manchilange koma moliaka tanu bakivaki bakivaki siwotsi wiseki tanu pitatsika koma netikala tsisitiutiko sati tsiwa diwomba imweki saka mbayangatsika ala mahaleni ala nitsinitsi ala tsiutiko kada vuleki pamangiku matsika ala vahantani ala vamakuti ala tengatsika kada vuleki pamangiku matsika ba Mangovia cavalo manet cala vale Mangovia cavalo manet cala vale La philosophie des ethnies du Sud, des cinq ethnies du Sud, c'est que la vie sur Terre est un simple passage. Donc, ils peuvent vivre dans des cases misérables, mais ils économisent à outrance pour avoir ces tombeaux-là. Ah oui, d'accord. Parce que c'est l'éternité. Inu gatika ranu maludo manzar mamparari koma munbi azopio na matika bibi mieng zuwe karatika umbe ranu shatika ba ranu gatika ranu fitiru anga kaza ndeng pamangi kwatika bibi na matika bibi avatika sakandanga harka da fundeng patsi mampandari aba mando turan vale Mamun bib vale 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 Thank you.
tsike kaza manora mantsilange koma ngoliaka tanu vakivaki vakivaki zuotsi wisek tanu tsika koma netujala tsistimtsika satsiwa diwomba imbeku sakamba yanga tsika ala mahaleni bali ala nitsininsi bali ala tsitsika vakuleni pamani kumatsi ala bahantani Fuck, man.
Qu'est-ce qu'il a dit? En arrière? On passe pas là? Trop de boue? Tu penses on peut y aller? Oui. Il y a pas moment, on va passer ici. Pas c'est de problème. Pas, c'est pas profond les mots là. Alors les éclaireurs, on passe ou on passe pas? On va passer. Ouais. Pas de problème. Ay, la goma, ay, la cor, salana romana.
Et alors maintenant, chef, qu'est-ce qu'on fait? Bon, il faut à la gendarmerie de PL que s'il n'y a pas de patrie, s'il n'y a pas de patrie pour nous secourir, Momo et moi, on va partir tout de suite dès qu'il nous aura récupéré. On va partir pour Tuléar. Pour Tuléar, pour chercher une batterie, un alternateur. Une batterie neuve. Alors aujourd'hui, 12 novembre. En plein cœur de Madagascar, dans la brousse, incident mécanique, ça c'est de la faute de notre chauffeur, hein. Il n'a pas vérifié la batterie, et alors voilà ce qui se passe, on est en panne. Alors on avait deux véhicules, heureusement il y a le deuxième véhicule qui a embarqué les autres personnes et tout le matériel, ils sont partis chercher du secours. On ne sait pas pour combien de jours on va rester ici. On a à boire. On a la cantine, on pourra manger. Dormir, on dormira dans la voiture s'il faut. Et moi, je partais toujours du principe que lorsque l'on part pour faire un long voyage, généralement, on n'a jamais le temps de s'occuper de quoi que ce soit parce que l'on profite. On profite de ce voyage et on se dit, mais lorsque l'on retourne, on aura bien le temps de pouvoir tout faire. Eh bien, aujourd'hui, ce temps, on l'a. On l'a pourquoi? Parce qu'on n'a rien d'autre à faire, parce qu'on n'a pas prévu qu'il pouvait nous arriver un accident. Un incident, disons. Un incident qui nous oblige à attendre pendant des heures. Et puis alors, nous sommes dans l'attente, dans l'attente qu'ils reviennent relativement rapidement, c'est-à-dire nanti d'une batterie qui serait, paraît-il, possible de trouver chez les gendarmes. Et si, chez ces gendarmes, il n'y a pas de batterie, eh bien à ce moment-là, ils iront à Tuléar chercher cette batterie et ils reviendront nous chercher. Oh, bon, pas trop, toi, hein. Ah, ça y est, hein. Ça y est, ça marche. Oui, ça marche. Ah, mais, oui. Maintenant, hein. Oui. Tiens, bonne matière aujourd'hui. Il y a de quoi faire aujourd'hui. Là. Il y a de quoi faire aujourd'hui. Une bonne journée. Monsieur, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va.
maintenant, venez-vous, d'où venez? Tana ou bien Tulia? On va à Tulia. On va à Tulia? Oui. On vient de Tana? On vient de Béza. Béza. Pour visiter l'Osso? Mais on vient de Fort-Dauphin. Après, on monte en Fort-Dauphin maintenant? Non, Tulia, après Tana. Après Tana. Après, sur Tana. Je présente Patrick. Patrick qui est notre chauffeur, le chauffeur de Nouvelle Frontière. Patrick, le chauffeur de Nouvelle Frontière, qui conduit l'engin pendant toute notre périple, qui conduit également nos destinées, puisque avec le tempérament que nous le connaissons, il ne refuse pas de foncer dans les fossés et même de présenter des cassis comme si c'était des montagnes russes. Donc on préside dans nos destinées et en ce moment, Patrick est tout heureux de pouvoir passer pour la postérité. Alors moi je veux dire que Patrick est un mauvais chauffeur. Parce que lui toujours prendre les trous. Alors moi, chef de groupe, notez moi. Hein? De toute façon, le chef moi, de noté. Groupe. Alors, avant le départ, il n'y a pas de présentation, c'est qui est le chef de groupe. De toute façon, dans le circuit, on va trouver la vérité, c'est pas dans le verre. D'accord? Bon, de toute façon, le chef de groupe, c'est très très mauvais. Parce que de toute manière, il n'y a absolument rien de perdu, puisqu'un rapport sera fait, un rapport circonstancié sera fait à l'ambassade, auprès de l'ambassade. Oui, vous faites le plein, mais il est toujours les contre alors. Au service rendu. Oui. Bon, merci. On fait l'accueil ici, c'est à cause de la livraison, mais c'est pas pénurie de gasoil. Pourquoi on fait la queue comme ça? Explique un peu. Oui, de toute façon, c'est fini les livraisons, là. Il n'y a plus de gasoil pendant le week-end, mais aujourd'hui, ça commence les livraisons. Bon, on va faire la queue maintenant. Oui. Il n'y en a pas pour trop longtemps? Non, c'est pas trop. Hein. C'est aujourd'hui seulement. Hein. Parce que pendant le week-end, il n'y a plus de gasoil dans la station, c'est terminé tout. Aujourd'hui, c'est plein. Oui. C'est bon. Presque les stations, c'est vide, le gasoil. Ça, c'est normal, un peu de queue. Hein. C'est pas long, là. Stop.
Voilà, il y a une heure qu'on est parti, il est 6h du matin. Là on est à l'ombre parce que je vais tourner la caméra, vous allez voir, derrière moi, ici, là, il y a une façade abrupte d'environ 200 mètres, que les gens d'ici appellent la Grande Muraille, et on va s'attaquer ça maintenant. C'est dur, hein ? Mais faut le faire, hein ? Allez, courage, on y va. Ça va? Salam! Salam! Salam, Ossar! C'est que tu ne pas m'aider, tes c'est d'abord le faire cuire dans cette marmite pendant 3 heures ou 4 heures. Pour le savoir qu'il est cuit, l'écorce devient très mou et l'eau devient très rouge comme ça. Donc après, ce monsieur va l'enlever là-dedans et il va le laver 3 fois ou 4 fois. Il fait comme ça, donc il faut trier ça. Donc là, c'est l'écorce qui est mauvaise, alors on n'a pas besoin de ça. Laver et cuit, ça devient comme ça. Il devient très mou comme ça et la couleur aussi, c'est comme ça. Donc la première chose qu'il faut avec l'écorce d'abord, c'est de le taper. Prenez le taper et tout ça, parce que ça, je peux vous en faire.
Donc là, on l'appelle maintenant pâte à papier parce qu'il y a déjà le papier qui réchauffe. Donc là, maintenant, vous voyez, il va m'étaler la pâte qui vient bien les quatre côtés de la dimension, qui soit bien aussi au niveau. Elle va maintenant prendre les vraies fleurs fraîches et les prendre pétale par pétale et les poser tout doucement comme ça. Donc il y a l'eau qui coule par en bas et la pâte se jette tout de suite sur les fleurs. Alors là, vous voyez, là sont les mêmes travails. Ils sont tellement pareils parce que ce sont des commandes. Donc les commandes comme ça, on le papier sur le tissu, il suffit d'appuyer sur le tissu comme ça, sur les quatre côtés. Oh, fermez là-haut. Voilà. Donc ce qui est très fin au bord, c'est la deuxième couche qui tient les fleurs. Parce qu'elle a toutes les couleurs, elle a l'inclusion de béryl vert en quartz et d'obsidienne avec calcite, inclusion de tourmaline noire dans quartz rose et les deux semi-K. Et ça, c'est la tourmaline polychrome dans quartz et tourmaline rubilite dans quartz et cristal de roche. Et ça, c'est l'agate. L'agate, c'est toutes les couleurs aussi à Madagascar. Et géode améthyste clair et géode.
repose sous la brume. Incendie. Combien ça? 200. Ça va pas la tête, non? C'est moitié prix, ça. 200 francs français. C'est moitié prix, hein? Thank you.
Maki, 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 maki. Kilomètres à l'heure. 100. 100. De plus. Un Alla bahantan, alla bahantan, alla bahantan.
Mi bulan,